Li pa normal pou n'ap servi ak l'ajan ayisyen k'ap viv lòt bòd dlo yo ap voye Ayiti aloske yo pa ka entegre yo nan la vi politik peyi a. Déclaration Premier ministre Evans Paul nan moment li tap installé jounen mercredi a entrepreneur Robert Labrousse comme nouveau ministre haïtien k'ap viv à l'étranger nan local ministère Delma 60. Li pren comme exemple contestation k'ap fèt kont candidat ou suspect ki ta gen l'autre nationalité diaspora yo ki pa ka voter nan élection yo depi kote y ap viv la ak difficulté li di groupe moun sa yo genyen pou yo fè business nan peyi a. Chef gouvernement dit li souhaite prochain responsable yo penché sou dossier sa, yon façon pou compatriotes nou yo k'ap viv lòt bòd lò ka mete compétence yo au service peyi a. Premier ministre Evans Paul nan mikou Renal Guerrier ak Gaston Joseph. D'ores et déjà, je vous assure de la pleine disponibilité du nouveau ministre Labrousse pour répondre à vos desiderata et vous offrir les services que vous méritez. Je vous encourage à le considérer comme un allié, un serviteur appelé à vous encadrer dans vos efforts de coopération bienveillante avec les forces vives locales. Le nouveau ministre a le devoir de travailler corps et âme pour faciliter votre intégration dans vos pays d'accueil et votre réintégration chez vous, chez nous, en Haïti. Je suis conscient des humiliations et des souffrances que vous endurez dans beaucoup de cas à l'étranger. Personne ne peut nier la ferme volonté que certains d'entre vous manifestent pour retourner définitivement ou temporairement chez vous, chez nous, en Haïti. Nul ne peut ignorer ni oublier votre dévouement envers vos frères et sœurs lors du séisme dévastateur du 12 janvier 2010, ainsi que votre ferveur naturelle à contribuer dans le relèvement de votre pays, notre pays, Haïti, votre pays d'origine. Le gouvernement de consensus que j'ai l'honneur de diriger est tout à fait conscient du poids socio-économique, financier et politique que vous représentez. Tout ceci pour vous dire, mes chers compatriotes, de la diaspora, que le moment est arrivé pour que tous ensemble nous unissions nos forces pour faire du MAV, ministère des Haïtiens du Grand Étranger, l'instrument que vous souhaitez qu'il soit. Après tout, c'est votre ministère.